Tous les Québécois de 40 ans et plus se souviennent de Roch Thériault, dit Moïse, et des tristes événements rattachés à la secte qu'il dirigeait. Celui qui prédisait une fin du monde imminente fut condamné en 1993 à la prison à vie pour meurtre, outre les multiples sévices subis par plusieurs membres de la secte. Pourtant, au départ, certains avaient vécu avec Roch Thériault une expérience non dénuée d'intérêt et puis avaient eu la chance, ou la présence d'esprit, de le quitter à temps, avant que ça tourne mal. À Saint-Georges, en Beauce, j'ai rencontré l'un d'eux, Léo-Marc Fauché, qui a accepté de raconter son histoire. Est-ce que je peux vous demander dans quelles circonstances vous avez pour la première fois rencontré Roch Thériault? Pour la première fois, je travaillais à un poste de radio, une station de radio ici à Saint-Georges, puis ils sont venus à la station pour avoir de la publicité. Puis sur trois vendeurs, ça a tombé sur moi, c'est moi qui les ai reçus. Puis en même temps, ben, j'ai posé des questions, évidemment pour la publicité, pour savoir qu'est-ce qu'ils venaient faire ici. Puis ils disaient qu'ils venaient pour donner des cours, pour aider les gens à cesser de fumer. Alors, pas parce qu'on fumait, mon épouse et moi, mais mon frère et son épouse fumaient. Fait que j'ai dit, ah, ce serait une bonne idée, je vais inviter mon frère, puis on va se rendre à votre réunion. Fait que c'est comme ça. Donc, vous avez fait de la publicité à la radio. Oui. Pour cette thérapie pour aider les fumeurs. C'est ça. Vous êtes vous-même allé à ces rencontres. On est allé, puis justement pour parce que ma belle-sœur fumait beaucoup, puis on voulait l'encourager à arrêter de fumer. Ça fait quelques temps qu'on en parlait. Fait que ça a été un moyen. Puis à partir de là, il a proposé aussi aux gens qui étaient dans la salle, à la fin de son cours, s'il y avait des gens qui avaient des problèmes de santé, de le mentionner sur un papier, puis qui viendraient nous visiter. Alors, mon épouse avait un problème. Elle avait ce qu'on appelle une bursite sur un coude, puis elle avait déjà des traitements avec un médecin. Alors, elle a écrit son papier, puis il est venu nous rencontrer à la maison. Puis il nous a proposé, à mon épouse d'avoir une cataplasque d'herbage que lui a faite. Il nous a fait aussi jeûner pendant 5 jours. J'ai jeûné avec mon épouse pour l'accompagner, puis en même temps pour moi, pour m'aider à perdre du poids. Puis à la suite de ça, il nous a invités à un souper, un banquet. À tous les gens qui avaient suivi le cours, il nous a invités à un banquet, pour nous faire goûter à la cuisine végétarienne. Alors, à la suite de notre jeûne, le banquet, c'était bienvenu. On avait faim. Alors, ça a été notre départ aussi du végétarisme. On a tellement aimé ça qu'on a décidé de devenir végétarien à la suite de ça. Et après sur le souper, après le banquet, il a fait une petite conférence pour remercier les gens, puis tout ça. Puis il a fait un témoignage, puis dans son témoignage, il a cité des versets bibliques. Puis ça a piqué ma curiosité, parce que moi-même, j'avais déjà commencé à effleurer la Bible un peu, à regarder ça. Vous étiez dans une forme de recherche spirituelle, on peut dire ça? À ce moment-là, oui, oui. Puis le fait qu'il mentionne des versets bibliques, ça a piqué ma curiosité, fait que j'ai attendu la fin de son exposé, puis je lui ai demandé s'il lisait la Bible. Il dit oui. Puis dis-toi, ben j'ai dit moi aussi un petit peu. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à entretenir des liens. Puis il venait de temps en temps chez nous, on jasait de la Bible. Puis finalement, moi j'avais déjà, dans ma lecture, avant même de le connaître, puis par la suite ça s'amplifiait aussi. Un verset biblique que je lisais beaucoup souvent, c'était Matthieu 24, qui parle de la fin du monde. Puis ça me faisait réagir, ça me faisait des impressions, parce que je ne croyais plus vraiment à ça, la fin du monde. Mais le fait que la Bible en parle, que Jésus en parle, ça me... Puis je parlais de ça avec Roch, il dit bien sûr, il dit j'y crois aussi que la fin du monde va venir. Fait que c'est comme ça, on a tissé des liens ensemble au début. Oui, c'est ça. On a développé des liens à force de donner.
Il y avait aussi un groupe avec lui qui venait de temps en temps. Puis, en tout cas, on avait aussi mon frère, sa sœur, qui venait, parce qu'eux aussi, ils avaient un petit intérêt. Puis deux autres familles, deux autres couples aussi qui venaient. On faisait des petites réunions intéressantes. Puis, mais moi, j'exposais aussi mes sentiments, parce que ce que je lisais dans la Bible, que c'est, Seigneur, il disait, si tu veux me suivre, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Puis ça me chicotait continuellement, ça me travaillait dans l'esprit. Puis je disais à mon épouse, j'ai l'impression que l'auto là, qu'on a rémisé pour l'hiver, on s'en servira plus, on va vendre ça. Puis, Vous aviez le sentiment que, quelque part, à travers votre lecture des Évangiles, Dieu vous invitait à faire, entre guillemets, des sacrifices pour, ouais, pour lui? Oui. C'était difficile à expliquer, là, mais je sentais que il fallait que je fasse un revirement dans ma vie, que je m'oriente autrement, parce que j'avais vraiment une vie mouvementée à aller jusque-là, avant mon intérêt pour la Bible. Puis, je ne sais pas, j'ai tenu un virement, là, puis il fallait que... je pense que les Écritures ont été une sauvegarde pour moi, ont été un moyen, une planche de salut pour... parce que je ne sais pas ce qu'on serait devenu aujourd'hui, si peut-être qu'on ne serait plus ensemble, puis on n'aurait pas la famille qu'on a aujourd'hui, tout ça, ça fait que... Alors, c'est ça, j'exposais mes points de vue, puis j'en parlais avec Rock. Rock, il me disait, bien, peut-être que c'est ça que le Seigneur t'appelle à faire. C'est pas tout le monde qui a ces appels-là, mais toi, peut-être que c'est ça qu'il veut que tu fasses. Fait que, en tout cas, ça, finalement, on est arrivé là. On a tout vendu. J'avais à ce moment-là une maison, un bloc appartement, on avait une maison mobile, une roulotte, puis trois autos, on a tout vendu ça. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Ah, l'argent, bien évidemment, il y avait des gens qui auraient aimé l'avoir parce qu'ils savaient que je voulais la donner. Mais j'ai dit non, même il y en avait qui m'avaient dit de la placer à la banque. Mais moi, je voulais vivre une expérience de foi. Puis je prétendais pas qu'avec de l'argent à la banque, je pouvais vraiment profondément vivre une expérience avec Dieu, une expérience de foi. Je voulais vraiment avoir rien, puis m'abandonner comme un enfant, sauter d'un bras du Seigneur, puis dire... Fait que j'ai tout donné au groupe, à Rock Thériault, parce que je savais qu'il y avait des besoins. Puis aussi, ils projetaient d'acheter d'autres véhicules, puis ainsi de suite. Puis aller partir aussi parce qu'ils avaient tout fait la bourse pour donner des cours, pour aider les gens à cesser de fumer. Puis ils pensaient se diriger vers la Gaspésie ou une autre région du Québec. C'était pas encore trop déterminé. Mais le fait que, finalement, pour faire une histoire courte, que j'ai décidé de me joindre à eux, après avoir tout vendu, bien, ça allait accélérer un petit peu le processus de... Donc, votre argent a servi à financer cette campagne anti-tabac, on peut dire ça comme ça, en Gaspésie. Exactement. Parce qu'on était quand même avec les enfants, puis les adultes, on était une vingtaine d'adultes et 7 enfants. Alors, ça prenait des véhicules, puis ça prenait aussi des tentes, puis ça prenait des places pour nous loger. Ça fait que l'argent a disparu, ça n'a pas été trop long. Puis la nourriture, évidemment, pour nourrir tout ce monde-là. Ça. Donc, vous partez en Gaspésie, ouais. Un grand groupe. Oui, on est parti à la Gaspésie. C'est une aventure. On avait 2 camions, un station wagon. On avait l'autobus, un grand autobus scolaire qu'on avait transformé en véhicule motorisé, comme une roulotte, si tu veux. Là. Tout équipé avec poêle frigidaire et tout ça. Alors, on est parti pour la Gaspésie. Après avoir passé un mois à la base à Sainte-Marie, lorsqu'il était déjà établi, on a fait tous les préparatifs, puis un mois après, on est parti. On est parti vers le début juin, vers la Gaspésie. Et là, en Gaspésie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez donné des cours pour cesser de fumer? C'est ça. On a entrepris faire de la publicité. On a fait... La publicité, c'était pas compliqué. C'était du bouche à oreille, parce qu'on n'avait pas d'argent pour dépenser pour les médias. Donc, on allait frapper aux portes, puis on allait distribuer des petits papiers qu'on avait préparés pour avertir les gens qu'on ferait... on donnerait des cours pour aider les gens qui ont des problèmes avec la cigarette. Suite à ça, ben, Rock il m'a mis à l'épreuve. Moi, je pensais que je ferais juste pour faire la publicité. C'était un petit peu mon domaine, je travaillais à la radio. Mais non, quand ça a été le temps du cours, il a dit « Ah, t'es bon, je te laisse aller. » J'étais pas content. Donc, vous avez dû aussi présenter les cours. Oui, j'ai dû le faire. J'avais aucune expérience là-dedans. Mais il dit « Je vais te montrer un petit peu. » Puis il dit « Je sais que t'es bon, tu vas faire ça. » Ça a été encore une autre expérience de foi. Mais je l'ai faite. Ça a bien été. Et là, d'après ce que vous avez expliqué,
en Gaspésie. Vous avez fait ça pendant quelques semaines. Et puis là, il y a eu une autre idée qui est arrivée. Oui, c'est ça. Rock, à un moment donné, il nous disait qu'il y avait des rêves ou des songes. Je ne savais pas trop dans le temps comment il interprétait ça, mais il disait qu'il se voyait avec tout le groupe sur une montagne. Puis que... En tout cas, il a parlé de son idée, de son rêve, et puis on a finalement fait une réunion ensemble pour décider. Il fallait être unanime, il fallait être d'accord. S'il y en avait qui ne voulaient pas partir, bien, ils retournaient. Mais on a fait une réunion, puis on avait un monsieur avec nous qui était une personne de la Gaspésie qui venait avec nous autres, puis d'autres familles aussi, qui aimait notre petit groupe, qui venait joindre à nous autres de temps en temps pour des réunions spirituelles. Puis, alors, lui, il assistait à ça, puis cette réunion-là, une fois qu'on a eu décidé qu'on montait sur la montagne, c'était pour ne plus y revenir, parce que... Expliquez-moi ça. Vous partez sur la montagne, vous allez expliquer après quelle montagne, vous partez sur la montagne avec quelle intention? Qu'est-ce que vous allez faire là sur la montagne? On allait là dans l'intention de... Le but, c'était de se séparer du monde pour vraiment vivre une spiritualité plus profonde. Puis être là jusqu'à temps que Jésus revienne, parce qu'on croyait que selon les signes du temps que Jésus était pour revenir. Le retour de Jésus était imminent. Ouais. Et que donc vous alliez sur la montagne, vous restiez là et Jésus revenait et c'était ça. C'est ça. Alors évidemment c'était peut-être un peu comment je dirais ça, téméraire, je sais pas trop là, mais en tout cas. De l'extérieur, ça fait un peu fanatique si je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que vous connaissiez suffisamment la Bible pour pouvoir aussi discerner? Non, on ne connaissait pas vraiment les signes. Parce qu'on commençait. Moi, j'étais vraiment un nouveau-né dans la parole de Dieu. Puis Rock avait un peu plus d'expérience. Lui, il avait l'air à connaître un peu plus. J'avais pas... On était des débutants. Alors, vous avez tous voté en faveur. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, quelle montagne? Comment vous êtes parti? Expliquez-moi ça. Il s'est informé un petit peu. Il voulait choisir une montagne qui était la plus haute, la plus éloignée aussi de la civilisation. Alors, il avait demandé des informations, puis il s'est fait indiquer le chemin qu'il devait prendre. Puis on est parti avec tous les véhicules qu'on avait, l'autobus, ainsi de suite. Et on avait aussi demandé à un citoyen de la place de venir nous conduire avec son tracteur, parce qu'apparemment qu'on ne pourrait pas se rendre directement à la montagne avec les véhicules, fait qu'on avait beaucoup de bagages quand même, les tentes, puis la nourriture, puis tout ça. Alors, il avait demandé à quelqu'un de venir avec son tracteur pour nous conduire à cette montagne-là. Mais on était un petit peu trop vite. Le monsieur n'est pas venu en même temps que nous, puis on a passé droite. Alors, on s'est ramassé d'un plus loin dans un cul-de-sac qui nous a occasionné beaucoup de difficultés parce qu'on a eu à traverser un ruisseau. L'autobus, c'est long, donc... Elle a accroché des deux bouts, puis on a passé une partie de la journée. Vous êtes en pleine nature. En pleine nature, avec les mouches. Puis Nicole, mon épouse, a été obligée de construire des masques pour pas emballer les mouches qu'il y avait là. Ils nous attendaient avec... En Gaspésie, tout ça. Oui, c'est en Gaspésie, en forêt, en pleine forêt. Avec un autobus scolaire de 72 passagers, c'est long. Ça traverse pas tous les petits ruisseaux comme ça. Ça fait que... Alors, c'est ça. Finalement, on s'est rendu à un cul-de-sac, puis pour apprendre qu'on était trop loin, il fallait revenir en arrière. Fait qu'on est revenu, puis le lendemain matin, on a dormi là. Le lendemain matin, le monsieur est arrivé avec son tracteur, puis il nous a conduit à cette montagne. Cette montagne-là s'appelait le lac sec. La raison, c'est qu'en été, en plein mois de juillet, il venait complètement vide. Il n'y avait plus une goutte d'eau dedans. Mais les orignaux, on a vu, quand on est arrivé, il y avait de l'eau. Les orignaux venaient chaque matin s'abreuver. C'était vraiment un endroit magnifique. Et il a fallu défricher parce qu'il fallait construire une bâtisse. On ne pouvait pas rester dans des tentes tout le temps. Si Jésus ne revenait pas tout de suite, il fallait quelque part s'y loger pour l'hiver. Vous vous installez jusqu'à la fin du monde. Donc il faut que ça tienne. C'est ça. Ouais. Alors, on a défriché. On a fait ça à main humaine avec les moyens qu'on avait, les moyens du bord. On n'avait pas de CHM, mais on a abattu des arbres avec... un galant d'or, qu'on appelait ça, je pense, une scie quelconque. Puis, on a arraché des souches. On a vraiment travaillé dur pendant quelques semaines. À chaque semaine, il y avait des gens qui venaient nous visiter.
surtout vers la fin de la semaine. Puis moi, étant donné que j'étais habitué au public, que je travaillais à une station de radio, bien, j'allais vers ces gens-là. Puis un bon samedi soir, après le sabbat, je me suis senti avec une faiblesse. Et j'ai été pendant 3 jours dans ma tente. Je sortais juste pour mes besoins, puis je mangeais pas, j'avais aucun appétit. Puis j'ai finalement eu un rêve dans la dernière nuit. Puis ce rêve-là me disait de sortir. Ben, me disait. Je me voyais. Je ne me disais pas de sortir, mais je me voyais sur le bord d'un trottoir avec une auto, puis mes enfants. Puis... Donc vous l'avez compris comme une invitation à sortir de là? Ben, je ne savais pas trop comment traduire ça. J'ai eu le même rêve de. Je me rendormais à chaque fois. Mais la première fois que j'ai eu le rêve, j'ai dit, ça se peut-tu que ce soit toi, Seigneur, qui me parle, qui m'invite à partir? Je dis, ça se peut pas. On a décidé qu'on soit monté ici jusqu'à temps que tu reviennes. Mais après le deuxième rêve, bien là, ça devenait un peu... Puis toujours la même chose. Là, après le deuxième rêve, j'ai entendu mon fils qui a prononcé le mot « tente ». Alors là, j'ai su tout de suite qu'il rêvait lui aussi. Fait que là, j'ai dit au Seigneur, si c'est toi qui me parle, c'est toi qui me fais voir cette invitation-là à partir d'ici... Bien, je vais demander à Jimmy qu'est-ce qu'il a rêvé cette nuit. Puis son rêve va être la réponse à mon rêve. Fait que quand il s'est réveillé le lendemain matin, j'ai demandé qu'est-ce que tu as rêvé? Parce que je savais qu'il avait rêvé. Il avait prononcé le mot tente. Alors, j'ai rêvé qu'on descendait à Sainte-Marie avec un poney. On avait un petit cheval. On avait réussi avec le temps à se procurer un petit cheval pour charroyer les arbres, pour construire la maison. Fait que pour moi, c'était la réponse à mon rêve. Alors, j'ai expliqué ça à Rock, au moment qu'il était à peu près 8 heures le matin. Et lui, il dit sûrement que le Seigneur t'appelle ailleurs, à une mission quelconque, je ne sais pas. En tout cas, il dit... Il n'a pas cherché à vous retenir, à vous garder non, avec pas lui? Non, pas du tout. À ce moment-là, Rock, je crois qu'il était sincère. J'étais surpris de ce qui s'est arrivé par la suite. Alors justement, je voulais vous poser la question. Est-ce que à ce moment-là, dans le moment où vous étiez sur la montagne, là, ça vous a jamais traversé l'esprit que peut-être il y avait là quelque chose d'un peu déséquilibré, qu'il y avait des risques de dérapage, de fanatisme? Il n'y avait pas pour vous d'alerte? Je pense qu'on n'avait pas assez d'expérience spirituelle pour... Puis on avait... Pour moi, c'était ma part. J'avais jamais entendu parler d'autre chose que... la religion où j'étais, puis j'étais pratiquant, mais tu sais, vraiment vite, là, on n'était pas vraiment approfondi dans les Écritures pour vraiment être averti de ces choses-là. Ça fait que malgré qu'il y a eu des mauvais événements qui sont arrivés par la suite, mais heureusement, Dieu nous a bénis. On est sorti de là juste à temps, juste dans le bon temps, parce que par la suite, on a entendu des choses qui sont arrivées. Vous êtes sorti de là et c'est une grâce. Oui. Après, vous avez... entendu ce qui se passait. Oui, après qu'on a entendu ce qui s'est passé, là, on a dit vraiment, Dieu nous a bénis. Puis mon rêve, j'ai cru vraiment à ce moment-là que Dieu m'avait parlé. Puis surtout qu'il nous a répondu à travers le... Fait qu'à ce moment-là, c'était clair. Puis au même moment, il y avait eu... on ne savait pas, on n'était pas au courant des nouvelles. On n'avait pas de radio, on n'avait aucun contact. On ne savait pas qu'il y avait eu un suicide aux États-Unis. Puis là, de temps en temps, il y avait des gardes-chasse qui venaient nous visiter. Puis ils sont arrivés la journée qu'on se préparait à partir, cette même journée-là. Puis là, tout le monde pleurait. Alors, les autres, ils ont resté froids. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Je pensais que c'était une sorte de pacte collectif, là aussi, pour sauter la vie. Alors, non, on a dit, ben c'est juste nous qui s'en vont. Ça fait que, ils ont dit, c'est une bonne nouvelle. On va vous accompagner. On va vous donner une raille au village, un lift, comme on dit en anglais. Là, mais... Alors, ils nous ont accompagnés au village, ils nous ont trouvé un endroit pour dormir. Quand vous êtes sorti, donc vous êtes parti avec cette conviction que vous deviez partir, vous êtes revenu en Beauce, est-ce qu'à ce moment-là, votre histoire a été racontée? Est-ce que les gens ont su ce qui s'était passé? Bien, à cause de ce qui est arrivé aux États-Unis, évidemment, ça s'est su dans la Gaspésie qu'il y avait un groupe semblable, peut-être, qui pouvait ressembler à ça. Donc, ils ont tout de suite fait un lien entre les deux. Puis ça, là, à partir de là,
ça a été médiatisé. Nous, notre photo a passé dans tous les journaux du Québec. C'est pas ça qu'on s'attendait. C'était malgré nous autres, là. On était un peu choqués de ça, mais... Le fait que le groupe que vous aviez laissé a quand même mal tourné, on peut dire ça comme ça, ça n'a pas ébranlé votre foi? Non, j'étais déçu. J'étais vraiment déçu parce qu'on a vécu une bonne expérience. Ça n'a pas été tellement longue, mais c'était sincère, c'était vraiment profond. Puis j'étais déçu. Je ne le croyais pas jusqu'à ce qu'il y en ait quelques-uns qui ont sorti aussi par la suite, qui nous ont rejoints, nous ont contactés pour confirmer que ce qu'on entendait dans les journaux, la radio, que c'était ce qui s'était passé. Mais non, on n'a pas... on a gardé la foi. Léomard Fauché, les gens qui nous écoutent peuvent être peut-être un peu surpris du fait que quelqu'un qui a vécu des expériences avec Rock Terrio soit encore aujourd'hui un croyant fervent comme vous l'êtes. Qu'est-ce que c'est pour vous l'essentiel de ce que vous avez découvert dans la Bible? C'est certainement pas ce qui est devenu le groupe de Rock Terrio. Qu'est-ce que c'est pour vous l'essentiel du message de l'Évangile, ce que vous avez retenu et qui vous pousse aujourd'hui? L'essentiel du message de l'Évangile, c'est que Jésus revient. Jésus va revenir un jour, on ne sait pas quand, on n'a pas ni jour ni l'heure, mais qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. C'est la vie qu'on vit aujourd'hui, c'est une vie... moi, l'expérience que j'ai vécue, là, d'apprendre à marcher par la foi, ça a vraiment fait une paix en dedans de moi. Parce qu'avant ça, j'étais insécure, Il me semble que je gagnais des bons salaires, mais c'était jamais suffisant. Puis le patron que j'avais, il voulait m'encourager à faire de l'argent, puis à devenir riche, puis à avoir des... Même, il voulait me faire prendre des actions dans le poste de radio, puis... Mais ça n'avait plus d'importance pour moi, ces choses-là. Je travaillais pour eux autres encore, une fois revenu de l'expérience de la Gaspésie, mais je n'avais plus les mêmes visions. Mes visions étaient moins terre-à-terre, moins pour tourner vers des choses matérielles, mais plus vers une vie meilleure, une vie où... tu sais où tu t'en vas maintenant. Là. Le passage ici sur cette terre, c'est juste comme un souffle. C'est juste comme... On sait que les hommes vivent en moyenne 70 ans, puis après ça, c'est fini. Fait que là, je savais que après la mort, il y avait la vie éternelle qui nous attendait. Puis j'y croyais, mais je m'étais attaché à cette croyance-là. Puis c'était, à mon point de vue, partager ça avec d'autres personnes, avoir plus de gens possible qui croient à ça, pour être délivré de l'esclavage, être délivré de ce sentiment d'insécurité, là, de vouloir toujours plus, puis d'en vouloir plus. Puis, moi, j'avais rencontré quelqu'un un jour, pendant que j'avais une vie mouvementée, j'allais dans un bar de temps en temps, même assez souvent, puis j'avais rencontré un monsieur qui m'avait dit, « Le monde, c'est comme un chien qui se court après la queue, ça tourne en rond. » Puis il dit, « Il cherche le bonheur, mais le vrai bonheur, il est dans le centre du rond, puis il dit, tout le monde passe à côté. » Puis je pense qu'en réfléchissant à cette expérience-là que j'avais vécue avant d'aller sur la montagne, je pense que le passage que j'ai fait sur la montagne m'a permis de découvrir que c'était où le vrai sens du bonheur, qui était dans le milieu du rond, c'était pas dans le rond. Fait que je pense que ça a été ça le point tournant de ma vie qui a fait que j'ai voulu partager ça avec les autres, puis je me suis attaché à ça. Ça a été... Vous avez consacré votre comme vie... Comme une mission. À cette mission de faire du bien à ceux qui vous entourent, ouais, et de leur faire connaître, ouais, cette espérance, c'est ça. Ce sens de la vie. Ouais. Évidemment, on avait deux enfants à ce moment-là, deux garçons, Steve et Jimmy. Puis eux, ils ont vécu l'expérience avec nous. Par la suite, on a eu quatre autres enfants. On a une famille de trois garçons, trois filles.
Maintenant, un dixième petit enfant qui s'en vient, grand-père de 10 petits-enfants, un dixième qui va venir bientôt. Mais c'est ça, ça a été... on a voulu partager ça aussi avec nos enfants, puis on a l'espérance que... ils sont pas toutes la même croyance, la même fervence, autrement dit, peut-être qu'on a, mais ça, c'est juste une question de temps, parce que moi, quand j'ai appris à étudier la Bible, me tourner vers la Bible, j'avais alentour de l'âge de 30 ans, fait que je me dis, on a des enfants qui ont décidé plus jeunes, donc ils sont en cheminement, alors, mais c'est ça, on a la foi en la parole de Dieu. Puis ça ne m'inquiète pas. C'est comme Dieu dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant dès son jeune âge, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Alors, j'ai la foi que... Puis même Dieu dit dans Isaïe, il dit « Tout ce qui sort de ma bouche ne revient jamais à moi sans effet. » Alors, on a semé un peu partout, avec nos enfants, avec des voisins, avec des amis, puis on laisse aller. Vous avez l'assurance qu'un jour, ça portera du fruit. Oui. Moi, je dis aux gens, on se voit là aujourd'hui, peut-être qu'on ne se reverra jamais, mais j'ai la foi que la parole de Dieu fait son effet puis qu'on va sûrement se revoir un jour à quelque part dans le ciel. On va être contents de se rencontrer. Fait que, c'est comme ça. J'ai fait un travail aussi. J'ai été vendeur toute ma vie. J'ai fait un travail qui s'appelle colporteur. J'ai vendu des livres pour les enfants, des livres de la Bible, tout ça, des livres sur la santé. Puis quand je rencontrais des gens qui avaient un intérêt spirituel, je témoignais ma foi, puis je leur disais, on ne se reverra peut-être jamais, mais si vous avez cette même foi que moi, je ne voulais pas les attirer vers une église. Tous les gens que j'ai rencontrés, c'est surtout les attirer vers Dieu, vers Jésus, puis que lui fera l'œuvre qu'il voudra avec eux. Si ça nous conduit d'être en même église, tant mieux. Puis sinon, bien... un jour, on se retrouvera quand même.